Beraz, deneri gauan, eskual kultur erakundearen, EHSS eta etnopoloaren partaide guzien izenean, eskertzen zaituztegu hunat hurbildurik gaur. Eskertzen dut ere Armel For, Florence Dekanen orde, hunaraino jimbaita eta fite. Eskual etnopoloa martxan jarri da, urte honen hastapenean, joan den urtarrilean, eta ahozkotasuna izanen da bere gai nagusietarik bat. Eta bereziki, gaur irekitzen dugun mintegiaren gaia hori izanen da. Mintegi hunek 8 mintzaldi ukanen ditu, gaurko hunek ahozko lekukotasunen ekarpena aipatuko du. Ahozkotasuna ikertu baino gehiago, aritu behar dela eranen didazue, eta arrazoin duzue. Etxesiloak eta supazterrak ez dira lehen bezala ipuinuturi. Irakaskuntzak irakurtzea eta idaztea lehen esten ditu. Gaurko komunikabideek pantaila eta irudia. Erdara nagusi izaiteak, gaurko bizi lasterak ez du deus konpontzen. Ahozkoa eta memoria gutxi lantzen dira. Alta, bidea ibiliz egiten den bezala, ahozkotasuna landuz da indartzen. Lantzeak eran nahi du, ausartu behar dugula hitzaren erabiltzen eta edertzen. Baina lantzeak eran nahi du ere, ezagutu eta baloratu behar dugula hitzaren arte hori. Zuzeneko hitzaren arte hori. Gaur irekitzen dugun mintegiak ezagupen horren ekartzea du helburu. Ahozkoak bere ezaugarriak eta kodigoak baditu, atzokoari eta oraikoari lotua da, ingurumen sozial bati ere lotua da. Ahozkoa biltzen den puntutik zientifikoen ikergai bilakatzen da, aspektu horiek guziak ginuzke miatu nahi mintzaldi hauen bidez, eta agian atseginekin segituko dituzue. L'Ethnopol Basque ouvre ce soir son séminaire 2017-2018 sur le thème de l'oralité. Florence Descamps ayant été empêchée par un deuil familial, nous remercions Armel Faure, que Florence Descamps connaît bien, et vice-versa, de nous faire l'honneur d'une conférence sur ses propres travaux d'archives orales et d'avoir accepté au pied levé de venir de Toulouse jusqu'au Pays Basque. Avant que nous rentrions dans l'exposé de votre travail, je voudrais rappeler combien le terme d'oralité résonne en Pays Basque. Il y a d'abord cette oralité vécue, celle qu'on appelle l'oralité première, vécue à travers le chant, le berchou, le conte aussi, transmise de bouche en bouche, ahos aho, qui dispose de ses codes propres, qui ne se confondent pas avec ceux de l'écrit, et qui obéissent à des conditions de production et de transmission particulières. Cette oralité-là, c'est une manière de vivre autant qu'un contenu. C'est une manière de vivre qui engage des rapports particuliers avec soi, mais aussi avec les autres. D'abord, car elle est pratiquée en présence des autres, et ensuite, elle est une performance personnelle, unique, recréée en permanence. Cette oralité-là, c'est une manière de vivre la culture qui n'est ni académique ni élitiste. C'est une réponse à la standardisation de la culture qui oppose une valeur sociale et symbolique à la valeur marchande. Et notre travail en tant qu'ethnopole, c'est de soutenir activement cette dynamique créatrice et sociale générée par l'oralité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle
ce que certains appellent l'oralité seconde. C'est cette oralité qu'on cueille, qu'on collecte, et puis qu'on fixe sur un support audiovisuel ou écrit, et qui devient ensuite une ressource pour la science. Tout le travail de collecte, en somme, que vous connaissez bien, vous, Armel, et que nous connaissons bien aussi ici en Pays Basque, où diverses opérations de collecte orale ont été réalisées depuis le début du XXe siècle, soit dans un cadre ethnologique ou ethnolinguistique, comme les enquêtes du Musée des Arts et Traditions Populaires, l'Atlas ethnolinguistique de l'Académie, ou le programme Eleketa de l'ICB, ou alors un cadre plus empirique, comme les nombreuses enquêtes orales d'associations, de radio, de télévision locales. Donc, il y a de nombreuses archives orales liées à la culture basque sur ce territoire et qui sont loin d'être toutes inventoriées, numérisées et analysées. L'Institut culturel basque en a entrepris un premier pré-inventaire en 2009. Et depuis, des opérations pilotes de transfert de fonds sonores situés hors du Pays basque ont eu lieu, notamment un fonds MNATP, le fonds du Musée des Arts et Traditions Populaires. Des numérisations et traitements d'archives sonores anciennes localisées ici au Pays Basque sont effectués chaque année par le pôle d'archives départementales de Bayonne et par l'Institut culturel basque. Ce travail sur les archives orales pose la question d'un pôle de ressources de l'oralité qui s'avère plus que jamais nécessaire. Peut-être l'ethnopôle constitue-t-il un premier pas. Ce travail sur les ressources orales, sur les archives orales, pose aussi la question de leur valorisation. Parce que ces ressources orales, avant d'être figées, ce sont des paroles incarnées et qu'il faut que nous continuions à faire vivre. Le séminaire que nous ouvrons aujourd'hui veut aborder toutes ces questions, toutes ces différentes facettes de l'oralité. Le lien oralité-histoire-mémoire, qu'abordera ce soir Armel, mais qu'abordera aussi Aispea Leisayola en mars prochain, sur la mémoire de l'après-guerre civile espagnole. Le lien de l'oralité avec le conte qu'abordera Nicole Belmont en décembre prochain. L'histoire et les genres de la littérature orale basque en janvier prochain avec Chabi Paya. Le lien de l'oralité avec les arts de la scène, donc en février, nous aurons l'exemple de la pastorale souletine avec Monsieur Villard, Pierre Villard, si je ne me trompe pas de prénom. Et en avril, donc, toujours autour du même thème, le théâtre de Pierre Echler-Sabal avec Isabelle Echeverria. Enfin, le lien oralité linguistique avec Enoch Abo en mai, et en juin avec Charles H. Videguin, qui évoquera les caractéristiques de l'oralité à partir de récits collectés auprès de Basques. Je laisse la parole à Armel Faure, qui est donc anthropologue. Armel est consultante internationale depuis les années 1980-90, notamment auprès de la Fondation de France. Elle a effectué pendant ces 20 dernières années un certain nombre d'opérations en Afrique, en Asie, à Madagascar. Et elle travaille plus particulièrement sur les liens entre habitants, territoires et grands projets d'infrastructure. Notamment, elle étudie les déplacements de population liés aux projets de développement comme les constructions de barrages. En France, elle a travaillé dans la haute vallée de Dordogne notamment, mais pas que, où elle a collecté des témoignages de populations qui ont été déplacées au XXe siècle et dont, bien sûr, les terres et les maisons ont été englouties par les barrages. Donc, elle nous expliquera, et elle vous expliquera mieux que moi, quel est l'apport de la source orale dans des moments de reconstruction après ces déracinements et ces réimplantations. Donc, je lui laisse la parole et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Nishker. Merci beaucoup. C'est
Un grand honneur pour moi d'être ici dans ce superbe musée du Pays Basque que j'ai visité plus d'une fois, essayant de comprendre une culture à laquelle je n'ai pas accès, ne parlant pas la langue. Donc je me suis contentée d'observer avec beaucoup d'attention la production matérielle qu'il y a dans ce magnifique musée. Ce qui fait que lorsque j'ai reçu le coup de fil de Madame Teresa, lundi matin, j'arrivais de Taïwan, je suis arrivée il y a quelques jours, et j'ai dit oui. J'ai dit oui à cause de cet endroit extraordinaire. Et je me suis dit que c'était une chance pour moi de rencontrer des Basques, de leur parler d'une histoire de territoire qui va les toucher, d'une histoire de lien entre les habitants et leur territoire. C'est aussi un grand honneur pour moi que m'a fait Florence Descamps, qui est professeure d'histoire, professeure d'université à l'École des hautes études en sciences sociales, pour qui j'ai énormément d'admiration et sans laquelle j'aurais jamais pu faire mes travaux en France, parce que je suis une modeste ethnologue, j'ai passé énormément d'années sur le terrain. Ce qui n'est pas toujours ce qui vous permet de faire une carrière en France. Et j'avais besoin de son livre quand je me suis lancée dans les archives, dans ce projet que je vais vous présenter là, d'archives orales sur la Haute-Dordogne. Alors ce livre, ce travail de Florence Descamps, donc c'est un pavé de presque 1000 pages qui s'appelle « L'historien, l'archiviste et le magnétophone ». De la constitution de la source orale à son exploitation. Et c'est ce pavé qu'on appelle la Bible des archives orales, puisque vous pouvez tout trouver dedans, toutes les questions que vous vous posez, vous aurez des réponses, a été constitué à partir de sa propre recherche à la suite de Dominique Schnapper sur le ministère des Finances. Et elle a donc monté un séminaire qui démarrait avec les directeurs du ministère des Finances depuis après la Seconde Guerre mondiale, en remontant dans le temps. Donc quand j'ai suivi son séminaire, elle en était à Giscard d'Estaing, puis ensuite c'était Mitterrand. Merci. Et par la suite, maintenant, je ne sais pas où se situe le séminaire actuel, mais c'est pour vous dire que c'est un travail énorme qui a été monté par Florence Descamps. Et elle reçoit énormément de personnes qui montent des fonds d'archives orales. Elle m'a donc reçue une fois, lorsque nous étions à la deuxième année de ces archives orales sur la vallée de la Dordogne. Et nous avions déjà produit ce livre qui est là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc nous avions avancé très très vite, parce que j'avais vraiment envie de rendre à ces personnes qui avaient une histoire extraordinaire le plus profondément possible ce qu'ils, eux, donnaient en tant qu'archivoral et que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est un double honneur pour moi de me trouver ici ce soir. Le sujet de la conférence que devait vous donner Florence, c'est le passé dans le présent, histoire, mémoire, patrimoine, au prisme des archives orales. Et donc, j'ai été présentée brièvement tout à l'heure, en deux mots. Je suis anthropologue, je suis ethnologue, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Je travaille sur les grands projets d'aménagement, c'est-à-dire que moi-même, j'ai participé au déplacement de dizaines de milliers, pour ne pas dire centaines de milliers de personnes, et j'étais toujours peinée de considérer les gens comme des agents économiques, et non pas comme des personnes en tant qu'individus. Et c'était donc une très grande frustration pour moi de ne pas comprendre ce que ressentaient ces personnes que l'on déplaçait. Alors bien entendu, on les déplace dans les meilleures conditions possibles, on leur donne ce qui est nécessaire pour les rétablir dans une économie, si vous voulez. Mais on sent toujours, même si on ne parle pas leur langue, dans leurs yeux, qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur rendre. Donc c'était quelque chose d'important pour moi de pouvoir travailler en français, dans ma langue, et en France, puisque la plupart de mes collègues internationaux, on a une association où on a commencé à 180 chercheurs américains, chinois, indonésiens, indiens. On travaille tous sur d'autres pays que les nôtres, et en tout cas pas sur nos propres communautés. Évidemment, en tant que
qu'anthropologue, j'ai une très grande habitude des témoignages oraux, de travailler sur les témoignages oraux. Chacun de mes livres contient des archives orales, mais ce n'est pas parce que vous savez faire des témoignages oraux que vous pouvez faire des archives orales. C'est pour ça que j'ai eu besoin de comprendre ce qu'était qu'une archive orale grâce aux travaux de Florence Descamps. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire avec des archives orales. Avec cet exemple de la vallée de la Dordogne, qui est un programme que j'ai mené pendant 5 ans, qui continue aujourd'hui. C'est intéressant de voir que les produits que nous mettons à la disposition du public sont toujours utilisés et qu'il suffit de donner quelques indications pour que beaucoup de gens puissent les utiliser. Donc pour vous présenter le contexte de cette vallée de la Dordogne, donc là vous avez la carte de la vallée de la Dordogne. Bon, les grandes villes, c'est le sud-ouest. Hein. Vous connaissez cette vallée de la Dordogne qui coule d'est en ouest du massif central qui est là et qui coule jusqu'à l'océan Atlantique. On l'appelle par affinité le sourire de la France, hein, puisque c'est en plein milieu de la France. Et elle coule jusqu'à la Gironde et elle se jette avec la Garonne dans l'océan Atlantique. Comme vous le savez bien, c'est une rivière du sud-ouest, c'est un fleuve du sud-ouest. Il se trouve que ces 5 grands barrages sont tout en amont. Donc ils sont tous entre le... J'essaye de me repérer avec ce... Je n'ai pas de pointeur, mais j'espère que vous pouvez voir. Donc la partie la plus amont du premier lac, le plus important, le barrage de Tête... C'est Bord-les-Orgues, ça commence à peu près ici, là. Ça récolte les eaux du Chavanon. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'hydrographie de la vallée de la Dordogne, ce sera un peu long. Et en tout cas, le dernier barrage, il est ici à Argentat, le sablier d'Argentat. Mais c'est pour vous mettre, vous présenter le contexte. Donc, comme tous les barrages, là, évidemment, je vous montre le barrage de Bord-les-Orgues, que quelques personnes dans la salle m'ont dit connaître. Pour y avoir été se promener quand ils étaient enfants. Donc un barrage détermine un amont et un aval. L'amont, c'est la réserve c'est de l'eau, c'est de l'énergie concentrée sous forme d'eau qui est lâchée dans des conduites forcées, qui passent dans des turbines et qui produisent quasiment instantanément de l'électricité. C'est la seule électricité qui peut être produite à la demande. C'est très important, mais je ne vais pas non plus vous faire un cours sur l'électricité en France. Et en tout cas, c'est extrêmement important. En quelques mots, vous avez à peu près 18% d'hydroélectricité dans la production d'électricité française. Cette vallée est très importante puisqu'elle fournit 20%, mais elle fournit 20% de l'hydroélectricité française à la demande immédiate. Donc dès que vous avez une centrale nucléaire à l'arrêt parce qu'elle doit être vérifier, vous pouvez appuyer et avoir quasiment instantanément de l'électricité. Quand tout le monde, à la fin du match de foot, va faire son petit café et appuyer en même temps, la demande est immédiate aussi, on utilise cette eau sous forme d'hydroélectricité. Évidemment, ce qu'on oublie souvent, c'est que ces vallées qui sont barrées, l'eau monte, l'eau peut monter sur, là c'est le cas du barrage de Bord-les-Orgues, 25 km, elle peut monter sur 60 km. Le barrage que j'ai étudié pour ma thèse, le barrage de Bagré au Burkina Faso, a une digue de 4 km et un peu plus de long, et monte sur à peu près 60-70 km. Donc ça vous fait Toulouse-Montauban d'un seul tenant, qui sépare une rive gauche et une rive droite. Et s'il n'y a pas de pont, vous pouvez imaginer le désarroi des populations qui vivaient toutes ensemble dans le fond. Et un pont, c'est une très grosse infrastructure qui coûte très cher. Donc vous voyez le lac de Serre-Ponçon. Ils ont un magnifique pont de 900 mètres de long qui a été mis en accompagnement de la construction du barrage. C'est une très bonne chose. Évidemment aussi, vous avez un changement drastique de paysage que vous pouvez voir ici, sur cette vallée de la Dordogne, autour du château de Val, parce que vous aviez deux points hauts, c'est le château de Val et la chapelle des Manants, au-dessus du village de Port-Dieu.
Ce sont des édifices du 15e, 16e siècle, des monuments de patrimoine. C'est un très beau château qui se trouvait toujours en hauteur, puisqu'il y avait, vous le voyez sur la photo de gauche, vous aviez la rivière Dordogne qui coule sous les arbres, là. Vous avez le chemin de fer, qui était un chemin de fer très important, puisque c'était le train qui partait de Toulouse pour aller jusqu'à Paris, et de Béziers aussi, qui se retrouvait là pour monter jusqu'à Paris. Et les populations qui habitaient dans cette vallée bénéficiaient de 4 petites gares qui leur permettaient de drainer toute l'économie, en particulier de l'Auvergne. C'est l'Auvergne qui a le plus perdu de la perte de ce train. Tous les produits agricoles, laitiers, les vaches sur pied, qui partaient au marché de Paris, qui partaient à Rungis, au Hall. Donc vous voyez, aujourd'hui, ce château de Val, qu'on voyait toujours d'en bas, hein, c'était un espèce de château mystérieux, on a beaucoup de témoignages sur le côté un peu effrayant, enfin, très impressionnant en tout cas, de ce château qu'on voyait toujours d'en bas. Aujourd'hui, il est au ras de l'eau, et toutes les terres qui sont là, il y avait à peu près 100 hectares de terres, ont été totalement englouties. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette vallée, parce que quand je suis revenue au bout de presque 30 ans de périple à gauche et à droite, enfin disons plutôt en Afrique, en Asie, etc., et que je me suis intéressée à la France, évidemment c'est plus facile pour moi de travailler à partir d'un thème que je connais bien. Et donc j'ai fait le tour des vallées englouties, et Serre-Ponçon était très bien documentée, Tignes aussi, et celle qui était pas documenté, c'était la vallée de la Dordogne, alors qu'il y avait une très forte demande de reconnaissance de la part de la population, qui trouvait que personne, aucun chercheur était venu les voir, et pour eux c'était très pesant de ne pas être reconnu en tant qu'acteur de l'histoire. Donc j'avais décidé, vu l'importance pour eux de leur histoire, de documenter cette vallée-là de la Dordogne. Voici quelques-uns des témoins. Donc, en fait, j'ai commencé ces travaux en 98, mais à l'époque, je cherchais une méthode. Je n'avais pas trouvé de méthode. Je voulais restituer quelque chose à ces gens dont je comprenais qu'ils allaient donner quelque chose de très important pour l'histoire des personnes déplacées par les grandes infrastructures. Puisque, évidemment, je parlais de la Chine tout à l'heure, vous savez que, par exemple, le barrage des Trois Gorges a déplacé entre 1 200 000 et 1 800 000 personnes. C'était le plus grand déménagement programmé de population. Les Chinois l'ont fait. Mais on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent, parce que ce côté personnel, familial, de patrimoine familial n'est pas abordé en général. C'est toujours abordé d'une façon socio-économique, comme je vous le disais, pour démarrer. Donc je savais que ces gens-là allaient nous donner beaucoup, à nous, chercheurs internationaux, et je voulais trouver un moyen, une méthode, qui puisse leur permettre de se sentir mieux après. Donc ça me courut un petit peu dans la tête depuis 1998, moment où j'ai découvert ces villages engloutis. Et je continuais à aller les voir, bien entendu, et j'avais fouillé les archives écrites, puisque Florence vous l'aurait dit mieux que moi, professeur des camps, qu'on travaille bien entendu beaucoup avec les documents. Il y a les documents écrits qui nous servent de beaucoup de références aussi, dans les archives orales. Donc comment nous faisons ? Eh bien, nous allons avec les archives sur le bord du Cantou. Le Cantou, c'est la cheminée en Auvergne, en Corrèze. C'est le lieu du foyer, en fait, c'est là où tout se passe, où la famille se retrouve. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez beaucoup de nos témoins qui vivent dans des maisons 18e, absolument magnifiques, magnifiques du point de vue architectural, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de leur architecture. Ils sont très 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 attachés à leur maison, comme ils étaient très 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 attachés à leur ferme, à leur exploitation et à la transmission. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la façon dont le choc qu'ils avaient, c'est que leurs parents se sacrifiaient depuis des générations, parce qu'on a calculé en fait qu'il y avait souvent 6 ou 7 générations qui avaient habité dans les mêmes maisons. Et
le sacrifice qui était fait par chaque génération pour donner l'exploitation à la génération suivante, avec tout un tas de calculs pour récupérer le prêt d'à côté, de par mariage, par autre, par tout ça nous a été très bien expliqué. Mais je ne peux pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est quelque chose de très intéressant en ingénierie patrimoniale, tout ce que les gens nous ont expliqué. Donc on allait évidemment sur place. Il n'était pas question de les emmener aux archives et de les interroger dans un endroit complètement froid. Il fallait qu'ils soient chez eux. Par exemple, là, je vois monsieur le maire, Louradour, maire de Port-Dieu, ce village où il reste encore la chapelle de Port-Dieu, de Confolens. Qui a été partiellement remonté, c'est le seul village qui a été partiellement remonté, à l'issue d'une très longue lutte de la population dont j'ai retrouvé tous les écrits. Le conseil municipal a menacé X fois de démissionner en bloc, ce qui aurait fait vraiment beaucoup, ça aurait fait beaucoup d'histoires. Et finalement, ils ont réussi à passer par le directeur des travaux, enfin l'ingénieur Cohen. Donc là, on a tous les écrits en écrivant. Il faut leur reconstruire absolument. Mais c'était déjà très tard, c'était 1950. Il aurait fallu leur reconstruire un village à partir de 1946. Et beaucoup de gens étaient déjà partis, avaient pris leur compensation financière, étaient partis. Mais aujourd'hui, il y a un village qui a été reconstruit, qui s'appelle Confolens-Port-Dieu. Donc monsieur le maire, que vous voyez là, c'est des gens qui vivent un petit peu dans la montagne. Donc moi, je suis arrivée, j'ai regardé tous les cerfs là-haut. Et puis il me dit, oui, on a mis les bêtes à l'intérieur, parce que ce sont tous des grands chasseurs. Et à chaque fois, c'était la découverte de leur vie, évidemment, dont ils pouvaient donner énormément de détails. Puisque, si vous voulez, les gens parlent depuis à peu près la Première Guerre mondiale jusqu'au Grand Choc, qui est le choc de l'annonce de la construction de ce barrage, qui était donc l'annonce, ça s'est fait dans les années 40, 41, 42. Ça a beaucoup traîné pendant la guerre, parce qu'on ne pouvait pas construire à l'époque. Et c'est parti à toute vitesse à partir de 46, 47, 48, et la mise en eau, c'est 1952. Excusez-moi de donner toutes ces dates, c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc là, vous voyez les paysages. Les paysages aujourd'hui, évidemment, quand vous arrivez là-bas... La personne qui connaît Bort-les-Orgues, qui est ici et qui était quand il était petit, doit se souvenir que c'est évidemment très très beau. C'est ce qu'on se dit tout de suite, que c'est beau, ces six tourelles du château de Val qui se mirent dans le lac. Mais bien entendu, vous avez vu la photo d'avant. Et c'est pour ça que j'ai pris ce thème qui était lancé par Florence, du passé dans le présent, parce que le présent est là, mais pour les gens qui ont connu la vallée, le passé est beaucoup plus lourd que le présent. Et Madame Gatignol, dont on va parler tout à l'heure, voit au fond du lac son village englouti, le village de sa famille. Mais évidemment, quand vous passez, vous n'êtes pas au courant. Il reste que c'est très beau, et que les gens de la vallée, comme on les appelle, que ceux qui n'ont pas été déplacés les appellent les gens de la vallée, étaient très contents de nous accueillir parce qu'ils se sont dit « Ouf, elle ne sera pas oubliée, ma vallée ». C'était la grande anxiété, c'est que cette beauté et toutes ces activités récréatives qui ont lieu autour du lac absorbent complètement leur propre histoire, l'histoire de leur famille et aussi l'histoire de l'arrachement. Parce que ce qu'on nous montre, c'est « on nous arrache ». C'est le geste qui est fait. « On nous arrache ». C'est même pas pour nous transplanter ailleurs. Aujourd'hui, évidemment, on transplante les gens ailleurs, mais à l'époque, il n'y avait pas de politique publique qui pouvait permettre de déplacer les populations d'une façon correcte. Mais il y a eu effectivement un apprentissage qui a été fait il y a un an et demi, il y a un an, je suis allée à Serpenson donner des conférences et j'ai discuté avec ceux qui étaient là avant et qui m'ont expliqué que là, les populations, les politiques publiques, l'apprentissage aussi de la part d'EDF avait fait qu'il y avait eu un village qui a été entièrement reconstruit à Serpenson. Et donc la lutte des gens de Tignes aussi, vous avez tous entendu parler de l'histoire de Tignes. Tignes, ça s'est très mal passé et ça s'est très mal terminé aussi. Il y a quand même quelques personnes qui ont gagné, mais je ne vais pas vous faire une conférence sur Tignes ce soir. Mais ça a été une tragédie
une tragédie. Heureusement, les gens de Tignes ont su alerter l'opinion publique, ce qui fait qu'il y a eu de l'apprentissage et que les politiques publiques se sont mises en place et que ces gens de Serponçon ont bénéficié très tôt d'un village, le village de Savines-le-Lac. Mais à l'époque, les Auvergnats n'ont pas eu la chance, et les Corréziens n'ont pas eu cette chance de bénéficier d'une bonne politique publique. Donc nous avons essayé de reconstituer leur histoire à partir d'un très haut standard d'archives orales qui est celui donné par Florence Descamps. Pour le château de Val, tout le monde parlait du château de Val. La photographe qui est venue m'accompagner pour faire ce livre, Au bord des orgues, les monts sous le lac, m'a dit, mais on sent des racines qui partent partout dans le... C'est, les artistes ont toujours des perceptions très intéressantes pour nous, les gens des sciences humaines et sociales, qui c'est des racines qui se poussent très très profondément sous le lac. Et donc, il fallait retrouver non seulement les fermiers, qu'on a trouvés très facilement, puisque le fils du fermier est resté à côté, mais aussi les aristocrates, les châtelains, qui habitaient et qui ont perdu. C'était aussi un intérêt de cette vallée-là, c'est de montrer que dans cette société assez féodale de l'Auvergne des années 50, c'est avant les lois agraires, hein, tout cela a beaucoup, beaucoup changé. Vous savez que le monde agricole s'est monumentalement transformé entre 1960 et 1970 et continue à se transformer, mais là je ne peux pas en parler. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait effectivement cette forme de féodalité. Donc j'ai envoyé une lettre en prenant le beau terme Wanda à monsieur le comte en lui expliquant ce que je voulais faire. Et quelques semaines après, je lui ai longuement expliqué. Il est venu à des conférences que j'ai données et il a accepté. Il a accepté de parler. Et nous avons retrouvé pour ce cas du château de Val toutes les personnes qui vivaient dans le terroir, si vous voulez, si on prend le terme qui est utilisé par les anthropologues en Afrique, avec les peuples nomades, en particulier semi-nomades, le terroir d'attache, on peut arriver à le définir, par exemple, vis-à-vis du marché aux bestiaux, puisque ce qu'il faut vous dire, c'est que l'agriculture, là-bas, c'est vraiment tourné vers la vache de salaire, et pour le château de Val, il y avait en Auvergne ce qu'on appelle les montagnes. Je ne sais pas comment vous traduisez ça dans votre langue, en basque, mais la montagne, c'est un endroit élevé où on emmène les vaches laitières pendant l'été, et c'est l'endroit où on peut faire le fromage, qui est la grande richesse, en fait, là-bas. C'est le Saint-Nectaire, entre autres. Et donc, les vaches partaient à pied jusqu'en haut de la montagne, et ce château de Val avait une montagne de 50 hectares. Donc c'était une grande fête dans le terroir. Tout le monde venait faire la fête. Et c'était encore plus une grande fête quand ils revenaient. Et on a plein de détails sur tout ça, bien entendu, puisque l'intérêt, c'est aussi de faire revivre ces années 50, ces années 35-50, bien entendu. Donc on a retrouvé tous les autres. Je pourrais vous parler de chacun. Bon, là, c'est quand même une petite anecdote sur les saxifrages de la fille du jardinier. Donc... il avait un jardinier qui était dans des conditions qu'on n'accepterait pas aujourd'hui, mais qui était très dédié à cet endroit, parce qu'il aimait beaucoup la chasse. Vous avez son fils, là, avec son chien de chasse, là. Et la fille a la main verte extraordinaire, et elle a remonté avec son père un certain nombre de plantes du jardin. Et elle ne voulait pas témoigner. C'est un des témoignages qui a été le plus difficile à mener. Ça a souvent été difficile. Et elle était très heureuse d'avoir témoigné après. Et du coup, quand j'étais revenue la voir, elle m'avait offert ses saxifrages pour que je les mette dans mon jardin. Et la photographe a vu un rayon de soleil et a vite sorti son appareil. Et elle a fait cette belle photo. Et l'éditeur Priva, qui a édité ce livre... a choisi de mettre ces fleurs du château de Val. C'est une petite anecdote, mais nous en avons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, vous êtes de l'autre côté du château de Val. Donc vous quittez la rive auvergnate, mais à l'époque, sachez que tout le monde vivait des deux côtés de la rivière. Et donc le château de Val, si vous suivez le pointeur, est exactement là. Un peu derrière la colline, là on ne le voit pas très bien, mais il est là.
Et donc nous remontons vers la Bourboule, enfin si vous voulez, vers l'amont de la rivière, sauf qu'on est du côté corrézien, là, avec l'histoire de la famille Pommier, qui est racontée d'une façon très 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 puissante du point de vue émotionnel par la famille, par Michel Gatignol, qui avait 12 ans, mais qui a vécu ce poids de la perte de leur petit paradis de fond de Dordogne, et qui disait toujours, mais grâce à ce travail, elle ne sera pas oubliée, ma vallée. Donc là, vous la voyez sur la gauche, elle avait 12 ans, elle montait à la maison de son père, mais toute la famille vivait en bas, et elle regardait la submersion se faire. Il faut vous dire que la submersion s'est faite très vite. Même les ingénieurs ont été surpris. En 3 semaines, la totalité du lac a été remplie, ce qui n'était pas dans leur calcul. Mais petite anecdote chez les Pommiers. Donc voilà, vous avez la famille Pommier. Donc en fait, là, vous voyez la petite maison qui est là, cette petite maison. C'est la première maison où habitait la famille Pommier. C'est la première maison où, grâce au chemin de fer, qui est arrivé à partir des années... c'est la loi Fraissinet, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des transports, qui disait que tout village doit avoir une gare à 20 km. Mais ça s'est fait progressivement. Donc eux, ça s'est passé dans les années 1880... 1890, et ils ont eu leur petite gare, et la famille a acheté d'abord cette petite maison où les 10 enfants sont nés, et ensuite ils ont développé un énorme commerce autour du tourisme, puisque vous avez en 1936 l'arrivée des congés payés, et les Parisiens prenaient ce train, qui s'appelait le Parisien d'ailleurs pour les Auvergnats, et descendaient, et ils ont donc construit ce que vous voyez à gauche, c'était un immense bâtiment qui est une grande auberge, un grand hôtel. Et ils avaient aussi un marchand de vin. Donc en fait, les 10 enfants grandissant vers les 30, 40, 50 ans avaient de quoi travailler sur place. Vous pouvez imaginer le désarroi de cette famille quand on leur a dit qu'on allait tout noyer. D'abord, il y a eu un grand déni, mais Madame Gatignol a vécu toute sa vie jusqu'à ce que les archives orales arrivent et qu'elle puisse donner ses propres conférences avec ce poids sur les épaules pas seulement l'arrachement, mais c'est la famille a explosé parce que la famille n'a pas pu trouver un endroit où une exploitation où on pouvait avoir 10 enfants, si vous voulez, 10 familles en fait. Ils auraient pu arriver à se débrouiller grâce au train, mais c'était pas possible une fois que cette maison a disparu. Et d'ailleurs, je peux vous dire, c'est Madame Gatignol, là, vous la voyez avec ses 8 albums de photos. Elle a passé toute sa vie, elle a 75, un peu plus maintenant, elle a passé toute sa vie à collecter des documents sur la vallée, pas seulement sur sa famille, mais sur la vallée pour essayer de se reconstruire son histoire, l'histoire de sa famille. Et donc, l'arrachement et la... Elle explique tout ce qui se passait. Donc c'était aussi des grandes fêtes, puisque c'était un lieu de festivité. C'était un lieu de grand bal, par exemple. Il y avait le violon tous les week-ends. Il y avait des gens qui venaient faire danser tout le monde à la cabrette. Vous savez, c'est l'Auvergne. Il y a toute une fierté de la musique, des bals, de savoir faire danser les gens. Et c'était dans sa famille. C'est aussi tout ce qu'elle a perdu. Enfin, si on essaye de reconstituer tout ce que la famille a perdu, c'est incommensurable. Et on comprend vraiment le désarroi qu'ils ont eu à devoir quitter tout cela. Et Madame Gatignol a composé en 1995 une valse qu'elle a chantée, une valse en 6 strophes qu'elle a chantée. Et elle a dit qu'en 1995, donc c'est depuis 1952 la submersion, c'est la première fois qu'elle commençait à sentir un soulagement. Et sa grande fierté, c'est que ce soit l'eau qui ait chassé sa famille. Elle nous disait toujours ça, grâce à vous, on n'oubliera pas notre vallée, mais c'est l'eau qui a chassé ma famille. Parce que son oncle, qui avait monté le groupement des expropriés avec le Châtelain, pas pour les mêmes raisons, avait décidé de rester jusqu'au bout dans la maison. Il avait réussi à convaincre EDF, qui a été quand même
le conducteur de travaux, Monsieur Bonnet, c'était quelqu'un qui s'était attaché à tous ces gens et qui était obligé quand même de chasser tout le monde. Et il y avait des dates, et bien entendu, vous savez, dès que vous construisez une grosse infrastructure, les ingénieurs, bon, aujourd'hui c'est les financiers qui sont là avec la montre et ils disent attention, ça va tomber, il faut qu'à telle date ce soit fait, sinon on va payer très cher. Donc évidemment, il fallait respecter ces dates. Et la grande maison avait été abattue, comme toutes les autres, et il y a eu des grosses histoires de bulldozers et d'explosifs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là, hein, parce que finalement j'ai essayé de savoir, pour les populations du reste du monde, est-ce qu'il vaut mieux exploser ou est-ce qu'il vaut mieux passer un bulldozer, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour essayer d'alléger quand même la peine des gens. Et là, je n'ai pas de solution. Mais il reste que ce directeur de travaux avait accepté que la toute petite maison reste jusqu'au bout. Enfin, c'était très symbolique, si vous voulez. Et donc, l'eau les a chassés parce qu'on disait, au fur et à mesure de la montée des eaux, une fois que les écluses, les turbines étaient fermées, que tiens, c'est le Prat de Intel qui a été touché. Après, c'était la ferme de Intel. Après, la ferme de Intel. Et puis, c'était la maison de Intel, etc., etc. Donc, comme ça, toute on pouvait suivre tous les événements de la montée des eaux. Et eux, donc, avaient décidé qu'ils resteraient dans la maison jusqu'au bout. Ils avaient fait le feu. Et ils étaient obligés de monter au premier parce que l'eau avait monter, donc ils montaient au premier et ils ont entendu le feu qui était éteint par l'eau et là ils se sont sauvés par le haut en sautant. Bon, c'est une grande fierté pour Michel Gatignol que ce soit l'eau en fait qui a chassé la famille, mais que la famille a résisté jusqu'au bout. Alors, bien entendu, je cherche à essayer de vous montrer à quoi servent les archives orales. Donc il y a les albums de photos de Michel que nous avons, que les archives sont venues photographier, qui ont été déposés aux archives, qui sont devenus des documents d'histoire. Il y a évidemment une audience, puisqu'on a créé toute une dynamique locale qui a lancé un tas de conférences qui ont été faites par un tas de gens là-bas sur place. Et un patrimoine familial. Alors, c'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, bien entendu. Le patrimoine matériel, lui, il est détruit. Mais on passe dans le patrimoine immatériel. Vous savez ce qu'on appelle intangible heritage à l'UNESCO, le patrimoine culturel immatériel. C'est tout ce qui lie les gens entre eux. Mais aussi, il faut arriver à trouver des preuves matérielles de ce qui lie les gens entre eux. Donc là, on a ces archives orales, servent aussi de patrimoine culturel immatériel. On a aussi reconstruit la communauté détruite, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un des gros problèmes des barrages, c'est que évidemment ils engloutissent, mais aussi, ils engloutissent des villages, mais aussi ils séparent des communautés entre la rive gauche et la rive droite. Pour le barrage de Bord-les-Orgues, vous pouvez passer sur le pont de la digue du barrage. Hein. C'est pas pour tous les barrages qu'on peut monter sur la digue, mais sur celui-là on peut passer en voiture. Et vous avez un pont carrément à l'amont, le pont d'Arpia, mais qui est à 23-24 km. Et l'endroit du lac, ça fait 900 mètres sans pont, de la rive gauche à la rive droite, et 24 km. Ce qui fait que le choc aidant, les gens ne se sont plus revus. Donc il y avait une peine qui était partagée par tous ces gens. Et le travail que nous avons mené avec ces archives orales localement a fait que, au moment de la sortie de ce livre, donc ce livre, c'est un livre où il y a les très belles photos de la photographe Adélaïde Maisonnab. Là, je peux vous dire, c'est une jeune photographe qui n'avait jamais photographié des gens. Elle photographiait toujours des paysages. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle faisait des portraits, mais elle est avéronaise, et elle venait de perdre sa grand-mère avéronaise. Elle était dans une très grande peine. C'est pour ça que l'éditeur m'a demandé si elle pouvait venir travailler avec moi. Et elle a compris la détresse de ces gens, qu'elle pouvait comprendre en tant qu'avéronaise. Et elle a fait des photos magnifiques, il faudrait que vous regardiez, c'est ses premiers portraits. C'était quelque chose d'étonnant. Et quand ce livre est sorti, donc les textes, c'est des textes de transcription que j'ai faites en reliant en fait l'histoire de ces personnes avec toute l'histoire de ce qui s'est passé dans les vallées françaises, qui est encore largement oubliée et pas connue, hein. Et le sacrifice pour l'électricité, si vous voulez, hein,
Et c'est des transcriptions intégrales, mais remises en contexte par chapitre. Donc c'est un très beau livre et EDF et l'éditeur ont décidé de restituer aux familles leur CD sous forme d'une cérémonie où ils se retrouveraient tous ensemble 60 ans après et leur donner ce livre et leur donner le CD, donc ce patrimoine immatériel. Et on a réuni tout le monde, on a dit pas de journalistes, pas de photographes, que les familles. Et, point de vue symbolique, il y a eu 5 agents d'EDF qui ont fait le déplacement. Je peux vous dire que EDF, pour les gens de la vallée, c'est encore quand même un peu, mais c'est quand même le grand fauteur de leur douleur de la perte des familles. C'est-à-dire que les personnes ne pensent pas que c'était une politique publique française au moment du plan Marshall, de la reconstruction, d'essayer de permettre à la France de retrouver un certain niveau grâce à l'hydroélectricité, que ce soit pour les industries et pour les ménages. Donc il fallait produire de l'électricité. On avait l'opportunité de signer des contrats dans le cadre du plan Marshall. Et on n'avait pas les politiques publiques faites pour les personnes. Mais pour eux, le fautif, c'est toujours EDF. Il faut dire aussi que c'était la Troisième République, que les gouvernements étaient difficiles à identifier. Aujourd'hui, on sait très bien qui est le président de la République. Si on a un gros problème, c'est la faute du président de la République. On peut envoyer une lettre à l'Élysée, on peut monter un comité et faire quelque chose. À l'époque, c'était EDF. Et ça reste encore dans l'esprit de la vallée. Donc il était très important de la part d'EDF, qui savait qu'il y avait un gros problème avec les gens de la vallée, mais que, n'ayant personne dans les sciences humaines et sociales, ne savait pas que faire. Moi-même, je vous dis que j'ai mis 15 ans à réfléchir à une méthode qui soit adaptée, et c'est parce que j'ai rencontré toutes ces histoires d'archives orales que j'ai compris qu'on pouvait faire quelque chose là, de respectueux vis-à-vis des gens. Et donc, vous avez aussi parmi eux, je tiens à le dire, un Basque qui est la première personne qui m'a reçu au Bazacle quand ils ont reçu mon dossier par la poste, hein, parce que moi j'arrive de l'étranger, enfin je suis française, hein, mais j'ai quand même beaucoup roulé ma bosse, donc on ne connaît pas tellement, on connaissait plus à l'international qu'en France. Donc j'ai envoyé le dossier de proposition par la poste, comme on envoie un livre par la poste quand on ne connaît personne chez les éditeurs. J'ai reçu un coup de fil d'EDF, mais qui êtes-vous? Enfin, est-ce qu'on pourrait vous voir? Bon, et heureusement, enfin, pour moi, c'était un Basque et un Corrézien. Donc deux personnes qui comprennent ce qu'est le lien entre l'attachement entre le territoire et les habitants du territoire. Et quand à un moment j'ai dit, mais les maisons ont toutes un nom, et je tiens à ce que, en forme de mémoire, le nom de chaque maison soit donné dans ce fonds d'archives orales, pas seulement le nom des habitants, des familles, des habitants de ces lieux. Là, j'ai vu qu'il y a quelque chose de très profond qui résonnait. Et heureusement pour nous, ce monsieur donc Escapilin Chospé de Bayonne n'a pas été déplacé pendant tout le temps où on a fait ses archives, et il a toujours été là pour rappeler à EDF qu'il était important de donner quelque chose au territoire de cet ordre-là, qui est évidemment symbolique. C'est toujours quand vous faites du patrimoine immatériel, vous faites du symbolique. Mais le symbolique, en tant qu'ethnologue, personnellement, nous, on a beaucoup donné d'argent. Hein. J'ai beaucoup travaillé pour la Banque mondiale. On a beaucoup donné d'argent à des personnes déplacées. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voyais bien que l'argent, c'est très bien. Il faut arriver à un juste prix de dédommagement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une partie qui doit être dédommagée autrement. Et on ne sait pas comment accompagner les gens. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à comprendre ce truc-là. Et c'était important qu'il y ait ces agents d'EDF ce jour-là. Et c'était aussi important, les conservateurs des archives départementales ont compris depuis le début l'intérêt de ce travail et se sont énormément investis. Ça a été un énorme investissement de la part des conseils généraux qui ont donc... Je vais peut-être appeler le technicien là parce que je ne sais pas pourquoi ce truc, voilà, pop-up comme on dit.
Les conservateurs ont tenu à être là, présents, au moment où restituer l'histoire à ces personnes. Donc la valeur symbolique, encore une fois, je sais que je suis en Pays Basque, que votre langue est très importante, qu'on vous l'a supprimée pendant longtemps, qu'on vous l'a interdit. Là, j'arrive de Taïwan, j'ai vu les aborigènes, je les ai rencontrés, et la fierté des jeunes que j'ai rencontrés, des jeunes étudiants à l'université, venait du fait que leurs langues sont reconnues, qu'on enseigne leur langue à l'université. Donc il y a des choses qui paraissent symboliques, c'est pas symbolique, enfin, faut voir tout ce qu'il y a derrière le symbolique. Donc le fait de donner un patrimoine immatériel comme les archives orales, c'est soit du symbolique, mais c'est très important. C'est très important que les conservateurs se soient déplacés ce jour-là. Donc c'était la reconstitution en même temps d'une communauté détruite, puisque un tas de gens se sont retrouvés et se sont tombés dans les bras et ils ne s'étaient pas vus depuis 60 ans. Dans cette chapelle des Manants, c'est la chapelle des Manants de Port-Dieu. C'est le seul patrimoine bâti qui reste de ce village qui a été entièrement rasé. Il y avait 70 foyers qui vivaient là au moment de la submersion. D'ailleurs, ce sont eux qui se sont le plus battus et qui ont fait un groupement et des lettres. Donc c'est important aussi, avec les archives orales, vous créez une dynamique locale. Donc là, je vous présente notre équipe Terra, hein, si je peux dire. C'était donc à la technique pour les archives de la Corrèze, Muriel Roussy, que vous voyez en bas avec un des témoins du barrage du Chastan. Et vous avez Frédéric Bianchi, qui est responsable des archives sonores à Aurillac. Qui venaient et que vous voyez là avec la famille Four à Spontour, qui eux parlaient à la fois du barrage de l'Aigle et du barrage du Chastan. Donc on crée une dynamique locale comme ça, parce que on venait avec, je vous l'ai dit, les camionnettes du Conseil Général, donc les gens disaient, qu'est-ce que c'est? C'est l'équipe qui vient relever l'histoire, c'est les archives qui viennent. Et alors, du coup, on recevait des coups de fil. Mais moi, ma grand-mère, vous l'avez oublié, mais elle a une histoire extraordinaire. Et donc, on avait évidemment des critères très, très stricts, vous pouvez vous en douter, parce que sinon, au lieu de faire 100 témoins, on en aurait eu beaucoup plus, mais pas forcément pertinent. Donc, on a été obligé de rester très strict dans nos critères, mais il y a toute une ingénierie, bien entendu, autour des archives orales que Florence Descamps décrit dans son livre. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais c'était marqué dans la première vignette sur Florence Descamps, le professeur Descamps, son livre, et vous pouvez le télécharger gratuitement, sur Internet. La première version est téléchargeable, les 880 pages, gratuitement, pour tout le monde, dans Open Editions. Et aussi, il y a une nouvelle version, actuellement, qui est enrichie de tous les fonds d'archives qui sont passés dans son séminaire et qu'elle a suivi, puisqu'elle suit un très très grand nombre d'archives orales, de fonds d'archives orales qui sont en cours. Alors, je vous ai parlé de Madame Gatignol, qui est vraiment la personne qui s'est donné beaucoup de mal, mais elle n'est pas la seule, hein, à reconstituer l'histoire de la famille à partir des photos, à partir des documents, à partir de ses albums. Et qui toutes les personnes comprenaient que par le goût de la voix de la personne que nous interviewions, de la famille, et il y avait dans ces... Ce petit disque que nous leur remettions, un patrimoine familial. C'est un patrimoine familial, bien sûr, immatériel, qui est rendu à chaque témoin. Là, je reviens à ce que vient de nous expliquer Thérissa sur l'oralité, puisque vous allez avoir cette autre séance sur l'oralité. Moi aussi, ce qui m'avait beaucoup touché quand j'ai fait mon petit tour de France pour savoir quelle vallée allait m'intéresser plus qu'une autre, ce qui m'avait touché en tant que Française vivant quand même beaucoup ailleurs, c'est la qualité de la langue française de ces personnes. Et cette qualité de langue, la beauté de la langue française de ces deux rives, auvergnate et corrézienne, elle vient en fait de deux choses. La première chose, c'est la qualité des instituteurs qui étaient sur place. Et tout le monde m'a parlé des instituteurs, jusqu'à quel point même que je suis allée interviewer deux enfants des instituteurs Hérol de Port-Dieu. Puisque cette petite école, mais de rien du tout, hein, de cette petite commune, mais c'était quand même un chef-lieu de commune, hein,
a produit une ingénieure de physique nucléaire qui a travaillé au centre d'études atomiques, qui a toujours sa maison là-bas. À chaque fois que je vais là-bas, je vais la voir, je vais prendre le thé chez elle. Et aussi, elle vient et elle témoigne. Elle aussi, elle est en train, mais elle préfère témoigner par écrit. Et elle a monté tout un tas d'expositions autour de la vie d'avant, de la vie de sa grand-mère, en fait, qui vivait tout en bas. Bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, bien sûr. Donc, c'est un patrimoine familial, bien entendu. C'est une forme de réparation symbolique, comme je vous disais. Mais aussi, le fait qu'il y ait ce partenariat entre les archives départementales, EDF, le fautif, permet de transformer le statut de ces gens de la vallée, qui maintenant ne sont plus, entre guillemets, les victimes du barrage, même si c'était jamais dit comme ça, parce qu'il y a un respect quand même envers les gens, mais qui deviennent en fait des acteurs de l'histoire. Alors, je n'irai pas aussi loin que ça. Là, je suis dans l'oralité seconde, dont parlait Teresa tout à l'heure. Donc, l'oralité seconde, c'est aussi ce que nous, en tant que chercheurs, nous faisons de ce matériel. Bien entendu, l'oralité seconde que nous faisons en collectant, il y a aussi, c'est totalement décrit dans le livre de Florence Descamps, il y a aussi une relation qui s'installe, qui change le statut de la personne. En plus, pour ce cas-là, il y avait un effet cathartique. C'est pas parce que je viens de Toulouse que je parle de cathartique, mais un petit peu quand même. J'ai un peu plus vers l'Aude, mais enfin, on en avait aussi à Toulouse. Mais l'aspect cathartique, c'est que donc, quand vous êtes dans cette conversation où il y a énormément d'émotions qui revient, qui sort, hein, et il se produit un mieux-être après. C'est aussi un effet des archives orales, hein. Je le dis parce qu'on est dans l'oralité, là. Mais j'avais remarqué, donc, pour revenir à cette histoire des voix, que la langue française que parlaient ces personnes était extraordinaire. D'une raison, c'était les instituteurs, je l'ai dit. Deuxième raison, l'occitan. Parce que ces gens parlaient occitan. Au début, quand on ne me connaissait pas et que je posais mon... Il y a 20 ans, je posais mon magnétophone. Les gens regardaient le magnétophone avec suspicion. C'était avant que je travaille en archives orales. Et se mettaient à parler en patois. Enfin, pardon, je vais dire en occitan. Mais là-bas, ils ne disent pas occitan, c'est les Toussaint qui disent occitan. Là-bas, ils disent patois. Et donc, il y avait ce côté très chantant de l'occitan qui revenait toujours dans leurs paroles. Hein, puisque c'est des gens qui, à la maison, à l'époque, puisque c'est quand la submersion s'est produite, c'est des gens qui avaient entre 20 et 25 ans. C'est le cas de Michel Gatignol est très rare. Hein. Quelqu'un qui avait 12 ans à l'époque, c'est comme le cas du comte Hainaut d'Arcy, qui avait à peu près le même âge. Mais sinon, la plupart avaient 24, 25 ans. Donc, à l'école, ils parlaient un français que les instituteurs leur apprenaient avec beaucoup de force, hein, et de persuasion. Et il y avait à la maison l'occitan. Et donc, ces gens, j'avais remarqué à l'oreille une oralité formidable. C'est aussi une des raisons qui m'a quand même amené à choisir la vallée de la Dordogne et la Haute-Dordogne. Donc, je reviens sur transformer le statut localement, hein, bien sûr. Quand vous venez écouter des gens avec les archives, comme vous le savez, les archives, c'est un grand corps de l'État français. C'est l'école des chartes, c'est un des grands corps. Moi, j'ai de la chance, hein. Mon arrière-grand-père était promotion 1867. Ça ne m'a pas fait de moi une historienne. Mais c'est certain qu'en plus, en Auvergne, il y a tout ce que les gens déposent qui est très important. C'est pour ça aussi que le premier conservateur que j'ai rencontré, qui s'appelle Édouard Bouillet, a aussi été un pionnier parce qu'il est le premier archiviste français à avoir numérisé tout l'état civil d'Auvergne, enfin, tout ce qui était à Aurillac, ce qui permet à tous les émigrés, parce que vous savez, c'est une grande terre d'émigration, l'Auvergne, qui vivent, il me disait, le nombre de connexions d'Australie et de Nouvelle-Zélande et des États-Unis, où les gens arrivent comme ça à remonter jusqu'au 12e, 13e siècle, grâce à tout ce qui a été mis en ligne. Donc ça, c'est
c'est le côté archive écrite. Hein, mais comme je vous l'ai dit en démarrant, hein, on a travaillé en archive orale, mais les archives écrites ont aussi beaucoup d'importance. Donc Monsieur Bouillet avait aussi compris que, en regardant sur ses fichiers, quand je suis allée le voir à Aurillac la première fois, il n'avait pas grand-chose sur les barrages. Donc avoir un fonds d'archives orales, c'était très important aussi. Je vous dis tout ça, c'est pas toujours très bien construit, c'est un petit peu décousu, hein, excusez-moi. J'essaye de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec des archives orales et aussi tout ce que, au fur et à mesure de ces 5 années, j'ai pu tirer comme leçon, à la fois pour les gens qui font des archives orales, mais aussi, bon, évidemment, du point de vue des déplacés, mais ça, je ne vais pas vous en parler, parce que c'est pas le... C'est quand je fais les conférences à Taïwan, là, justement, je leur expliquais tout ce qu'on pouvait comprendre des émotions qui sortaient et des choses les plus importantes pour les gens qu'on déplace. Mais là, on est sur les archives orales. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots, parce que là, j'arrive à mes 51 minutes. J'ai promis de ne pas dépasser l'heure. Comment est-ce que ces archives orales sont utilisées aujourd'hui? Donc là, vous avez quelques-unes des personnes qui sont venues utiliser les archives orales et qui les ont transformées, hein, parce que, vous savez, c'est un matériau qui est vivant. C'est un matériau qui est réutilisable à l'infini, puisque c'est un patrimoine immatériel, puisque dans les... Je vous ai dit qu'il y a toute une ingénierie, mais on fait signer des autorisations. Les gens ont le choix de dire ce qu'ils veulent, que ce soit rendu public. Est-ce qu'ils veulent pas? Est-ce qu'ils veulent attendre 10 ans? Est-ce qu'ils veulent attendre une génération? Enfin, ils ont tous les choix possibles. Mais quand ils disent que oui, ils veulent que ce soit rendu public et ils veulent que ce soit utilisé, donc on peut utiliser ces archives orales. Il y a toujours quelques petites restrictions, mais on essaye de les rendre le plus fluides possible dans ces cas-là. Petite anecdote, hein, Monsieur Hainaut, dans la famille, a perdu le château de Val, a coché que sa famille ne voulait absolument pas que son archive soit utilisée par EDF. Quand je l'ai revu plus récemment, 4 ou 5 ans après, il m'a dit, bon, peut-être qu'un jour il lèvera cette impossibilité, parce qu'évidemment, nous faisons des expositions. Hein. Donc là, vous avez plusieurs façons dont ont été utilisées ces archives. Il y a TF1 qui est venu, qui est tombé sur le livre Bordesor de Raymond sous le lac, et le réalisateur avait été sollicité par la direction pour être envoyé à bord les orgues et montrer la beauté du lac et des activités récréatives. Et comme il est auvergnat, il se trouve, il a voulu en savoir un petit peu plus. Et quand il est tombé sur ce livre, il m'a appelé, il m'a demandé s'il pouvait montrer le contraste, enfin si je pouvais l'aider à montrer le contraste entre ce qu'il y avait dessous et donc cette parole des oubliés de l'histoire à qui on avait rendu leur histoire. Et donc il est venu évidemment filmer dans le château de Val le monsieur Darcy et au-dessus du village de Mialet, Michel Gatignol. Et donc c'est passé en télévision nationale. Après vous avez ce livre, c'est hors série du journal qui s'appelle La Montagne, qui est le grand journal local, qui a été fait en partie avec les archives orales. Mais évidemment, avec tout le génie du journaliste qui s'est emparé de ce travail et qui a utilisé des documents que nous n'avions jamais vus, parce que les centres de presse ont des trésors que les archives n'ont pas, sous forme de photos, entre autres. Et on a donc vu, quand on l'a feuilleté après, arriver des documents qu'on n'avait jamais vus. C'était très intéressant. Et donc, il y a toujours de la nouveauté qui part à partir de ces archives orales. Là, vous avez une pièce de théâtre qui a été montée. Alors, c'est tout récent, hein, puisqu'elle a commencé à être sortie sur les gabarres. Ce sont les bateaux, les anciens bateaux qui couraient le long de la Dordogne depuis à peu près Spontour, où ils étaient construits, jusqu'à Argentat et jusqu'à Bordeaux. C'était un lien linéaire jusqu'à Bordeaux. Du commerce du bois. Essentiellement, c'était du bois. Du bois, mais aussi le bois pour faire les pieds de vigne sur le Bordelais. Ce qu'on appelait... Enfin, il y a tout un tas de termes de bois très intéressants aussi là-haut qui descendaient. C'était du bois de châtaignier très solide. Bref, donc, aujourd'hui, évidemment, les gabarres sont des gabarres touristiques. Hein,
Et ils ont monté à partir des archives, de certaines archives orales qu'ils ont écoutées, et en refaisant, retravaillant avec le témoin d'autres choses, une pièce de théâtre que je n'ai pas encore vue, mais qui était encore jouée la semaine dernière. J'ai reçu une invitation pour venir le voir, mais j'ai pas pu, j'étais donc en Asie. Et vous avez une chercheure japonaise qui m'a contactée. Alors en fait, ça c'est très simple, hein, c'est que ce livre avait été noté dans l'Association internationale des opérationnels sur le déplacement de population, en disant que voilà, là on peut commencer à comprendre qu'est-ce que ressentent les gens. Et ce chercheur japonais ne lisait pas le français, mais comme à Washington, on lui avait conseillé de prendre le livre, il l'avait acheté pour son université, et il ne comprenait pas, donc il a demandé à une de ses collègues qui enseigne le français, et tenez-vous bien, l'occitan, de le lire et de lui dire ce qu'il y avait dedans. C'est l'université de Nagoya. Et cette dame ensuite m'a demandé si elle pouvait bien venir rencontrer parmi mes 100 témoins, enfin parmi ses 100 témoins plutôt, ceux qui parlent encore occitan. Donc elle est venue et elle a rencontré ceux qui parlent occitan, bien sûr. Et elle a aussi pu écouter grâce aux archives sonores. Vous voyez que les archives, c'est quand même un intérêt très important, que je pense toujours à des nouvelles choses. Elle est allée écouter à Aurillac de l'occitan auvergnat de 1917, des enregistrements qui sont gardés là-bas. Et elle, quand elle est venue me... Donc ça, c'est, je l'ai mis en contact avec Aurillac. Après, quand elle a voulu s'intéresser à l'occitan limousin, enfin de Corrèze, là, elle est venue à Spontour, où on avait donc une dizaine de personnes qui étaient donc parmi les témoins et qui parlent occitan. Elle a pu leur parler occitan. Vous avez aussi alors quelque chose de très intéressant qui est en cours. Hein, là, je peux vous donner le flyer, parce que c'est tout nouveau. De Noznak à Ubaï, vous avez un très joli site, blog, qu'a fait Carolina Santo. Alors pareil, à partir de ce livre, elle m'a contactée. Elle est toujours d'ailleurs thésarde à l'université de Vienne. Elle est originaire du Portugal. Et elle s'intéressait aux populations déplacées et elle voulait intégrer ces travaux-là dans sa thèse. Donc on s'est rencontrés. Elle est artiste au départ, plasticienne. Et on s'est rencontrés au Palais de Tokyo à Paris. Et elle a j'ai monté un séminaire à Paris avec des ingénieurs, des cinéastes, des historiens et des artistes qui viennent régulièrement. Où on discute de barrages, de centrales nucléaires, de trucs pas toujours très agréables, mais toujours du point de vue des sciences humaines et sociales. Et elle vient toujours, et au bout de 2 ou 3 ans, enfin, elle est venue plusieurs fois là-bas, elle est notamment au pèlerinage de Sainte-Marie-Madeleine, puisqu'il y a un des villages déplacés, engloutis plutôt, qui s'appelle Noznak, qui avait... faut pas que je déplace... qui avait... remonter l'oratoire à Sainte-Marie-Madeleine, l'église étant totalement engloutie, et tous les 22 juillet, jour du pèlerinage de Sainte-Madeleine, à peu près 200 personnes se trouvaient au-dessus de Noznak à faire ce pèlerinage en réponse à l'ancien pèlerinage qui existait depuis très très longtemps. Et quand j'avais fait les études sur toutes les vallées, j'avais vu aussi qu'à Ubaï, il y avait une chapelle qui avait été remontée sur le bord du lac de Serpenson, au-dessus de la vallée d'Ubaï, et que c'était une chapelle à Sainte-Marie-Madeleine. Et on m'avait expliqué là-bas sur place que tous les 22 juillet, à peu près 200 à 300 personnes, trois générations, se retrouvaient là. Alors c'est pas du tout un rituel confessionnel, hein, pas du tout. C'est le souvenir qui est perpétué de la perte de la vallée d'Ubaï, en particulier le village d'Ubaï. Et donc elle avait trouvé ça intéressant, et un jour elle dit « ça y est, j'ai trouvé ». Et elle explique au séminaire que ça y est, elle a trouvé ce qu'elle va faire. Donc elle était déjà allée 2 fois à Noznak quand même, enfin, sur la vallée de la Dordogne. Et elle a décidé de marcher en écoutant les 100 témoignages à pied de Sainte-Marie-Madeleine, donc engloutie de Noznak, jusqu'à Sainte-Marie-Madeleine, donc engloutie, remontée, de Ubaï, à pied, donc, à travers la France, à travers le Massif central, et elle a marché 50 jours, je ne vais pas vous dire 50 jours ou 50 nuits, mais c'était très long, et vous pouvez suivre tout ça sur son blog,
Et comme elle écoutait, en même temps, elle préparait une installation corporelle, enfin un travail d'artiste contemporain, dont elle a fait la première prestation à l'arrivée. Cette année-là, c'était décalé d'une semaine, donc elle avait pu, enfin, elle avait eu le temps de préparer et de faire la première présentation à Ubaï de son travail d'artiste. Et là, en octobre, donc tout récemment, elle a commencé à faire la première exposition de sa vie, hein, puisque maintenant elle vient du monde des costumières de théâtre, qui s'appelle De Noznak à Ubaï. Et que donc je vous recommande de regarder le blog, qui est très bien fait. C'est vraiment une artiste, c'est très beau ce qu'elle fait, très plastique. Et cette exposition est superbe, vous pouvez la voir à l'intérieur du barrage. Et là, vous la voyez donc, elle a créé des rubans, parce que cette sainte est honorée avec des rubans de plusieurs couleurs. Elle a créé une espèce de grand arbre à l'intérieur desquels elle a mis les témoignages qu'elle a écoutés et que vous pouvez écouter pendant l'exposition. Et elle a mis un tas de photos avec des commentaires qui lui venaient au fur et à mesure qu'elle écoutait. C'est une très belle exposition. Actuellement, il y a d'autres artistes qui se sont emparés de ce fonds d'archives et qui préparent des nouveaux travaux. Il y a un installateur sonore toulousain qui m'a contacté là, et une photographe qui va aussi faire quelque chose. Alors en fait, j'arrive à ma conclusion et je voulais vous dire, donc, à partir de cet exemple, l'utilisation des archives orales est très facile. Ce sont des produits durables qui sont réutilisables à l'infini, qui sont gratuits, qui sont mis à la disposition du public, qui sont réutilisés, qui sont mis à la disposition par les archives pour les générations futures. Et c'est recyclable par les artistes. Si quelqu'un d'entre vous a un projet, vous êtes bienvenus. Je sais qu'il y a des Coréens qui m'ont écouté l'autre jour à Taïwan et qui veulent venir préparer un projet. Le passé, et je reviens à la conférence initiale que vous auriez écoutée du professeur Descamps. Donc le passé demeure dans le présent. Et avec les archives orales, nous travaillons pour l'avenir, bien évidemment. Alors nous avons fait ce catalogue parce qu'il faut aussi faciliter les choses. Si vous voulez, un fonds d'archives écrites, c'est quelque chose de très ardu pour ceux qui se lancent dans les liasses qu'on vous donne quand vous avez fait votre choix à partir des cotes. Vous allez vous trouver avec des piles de liasses qu'il va falloir travailler, retravailler, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Un fonds d'archives orales, un de 200 heures à écouter, c'est aussi rébarbatif, il faut le dire. Donc on a fait ce catalogue des 100 témoins que la conservatrice des archives de la Corrèze a très élégamment appelé le guide des sources, puisque vous savez, c'est le plateau des 1000 vaches, les 1000 vaches, c'est les 1000 sources en Corrèze. Et donc ce catalogue facilite le travail par les autres, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient écrivains, ou qu'ils soient artistes, ou tout autre porteur de projet. Et il faut arriver quand même à simplifier les archives. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention et nous avons montré une application de l'oralité puisque c'est le thème de vos conférences cette année. Merci beaucoup.